Salut tout le monde, c'est ArcSavon. Aujourd'hui, je vais vous faire mon tout premier spécial. Inazuma Chronosense Tonnerre. Alors, merci pour ArcBall Eleven. Si vous le connaissez pas, je vous mettrai dans le lien de la description. Voilà. Sur comment faire ça, mais comment il fait pour. Enfin, voilà. Il y a un layout qui est super bien fait. Là, qui est pas mal pour moi. Et qu'il a dit comment faire et tout. Voilà, c'est super. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire le let's play sur une zone go comme ça, Tonnerre. Alors, je vais vous laisser écouter la musique du jeu. C'est parti. Bon, voilà, c'est un jeu super bien fait. Je pourrais peut-être des vidéos avec le Chronostunt. Le Chronostunt brasier. Le Chronostunt brasier qui est bientôt fini. Je pourrais des vidéos sur ça. Normalement, je suis pas sûr du tout. Normalement, on verra. Peut-être des vidéos recrutement. Alors, je veux pas copier quelqu'un qui a déjà fait une vidéo. Alors, je pourrais un recrutement qui n'a pas encore été fait. Voilà. On verra. Mais je vais commencer tout de suite le let's play. Allez, c'est parti, on commence. En moi, le nom aussi. Bon, je vous montre pas, mais. Arcube 50, bien entendu. Ouais. Bon, on peut pas mettre de numéro. Je vais m'appeler tout court Arcus. Ah voilà. Bon. Tout le monde connaît ça, je pense. Je ne le connais pas, voilà. Et dans chaque jeu, Inazuma Eleven, c'était tout le temps comme ça. Arion, viens t'entraîner avec moi maintenant. Ah non, c'est pas juste, c'est mon tour.
Même pas vrai, c'est à moi. Ah, votre enthousiasme me fait plaisir à voir. Chacun son tour, les enfants. Oh, bonjour, Mille Anabayashi. Bonjour, Arion. Désolé de te déranger, mais je pourrais te parler un instant. Bien sûr. Allez, les enfants, continuez à vous entraîner comme je vous ai montré. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, ben, c'est parti. Alors, je vais voir. Je pense que vous voyez bien, là. Ouais, c'est très bien. Pour moi, c'est très bien. Alors, on va voir Mille Abayashi qui est juste là. Ok. Arion, demain c'est le grand jour. Tu vas rentrer chez toi et retourner au collège Roman. C'est un réel plaisir de t'avoir parmi nous, tu sais. Tout le plaisir était pour moi. Mon séjour ici est passé si vite. Les enfants ont fait beaucoup de progrès et ils ont l'air tellement heureux. Ça fait vraiment chaud au cœur de les voir comme ça. Et tout ça, c'est grâce à toi, Arion. Merci beaucoup. Oh non, ce n'est pas grâce à moi. Vous savez, c'est grâce au football. C'est lui qui les rend heureux. Arion, viens vite. Désolé, j'arrive. Waouh, ça faisait longtemps, je me demande comment vont les autres. J'ai vraiment hâte de retrouver tous les copains du club de foot. En place! Tiens, l'équipe de baseball s'entraîne sur le terrain extérieur maintenant. Bon, j'imagine qu'on pourra toujours s'entraîner dans les locaux du club. Dans les locaux du club. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Cette mélodie est riche et profonde, et pourtant elle me fait inachevée. Elle me paraît inachevée. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose de fondamental. C'est comme si mon cœur cherchait à combler un vide. Je me demande pourquoi ils ont décidé de réaménager le terrain extérieur. Ça fait un sacré changement. Enfin bref, je ferais mieux d'aller voir faire un tour au stade du club. J'ai vraiment envie de revoir tout le monde. Je pense que ça, on va passer au quartier quand même. Hein? Curieux, la pancarte a disparu, l'ancien local du club est pourtant un symbole de Raymond. La pancarte était là depuis des années. Oh, mais ils ont peut-être décidé de la faire réparer. Il faudra que je me renseigne. Okay. Alors, moi, j'ai décidé de m'arrêter quand on sera dans le local, c'est-à-dire dans le stade de basket dans le premier chapitre. On s'arrêtera là et voilà, simplement.
Salut tout le monde, je suis de retour. Hein? Je n'y comprends rien. Pourquoi est-ce que l'équipe de basket s'entraîne ici? Excusez-moi. Vous sauriez où je pourrais trouver le club de football par hasard? Le club de football, c'est quoi? Mais je suis bien à un stade de football, là, non? C'est ici que le club de foot s'entraîne normalement. Mais de quoi est-ce que tu parles? Il n'y a pas de club de football ici. Comment ça? Pas de club de football? Vous voulez dire qu'il s'entraîne ailleurs? Maintenant, vous pouvez... ailleurs maintenant. Vous pouvez me le dire? Ou me dire où? Désolé, j'ai du mal à parler, bon, c'est pas grave. Il s'entraîne nulle part. Parce qu'il n'y a pas de club de football. Allô? Laisse tomber, on y va. Mais... Il est bizarre, lui. On n'a jamais eu de club de football, là, Raymond. Tu parles d'un sport. Je ne crois pas qu'il y ait un seul collège dans le pays qui ait un club de football ici. Ils ne sont pas vraiment sympas. Ils auraient pu me dire où étaient les nouveaux locaux du club. Il va falloir que les autres m'expliquent ce qu'il s'est passé ici, quand je les aurai trouvés. Alors voilà, je sais que cette vidéo s'est terminée en 11 minutes. Alors normalement c'était 20 minutes pour moi, mais là ça sera un peu tôt. C'est pas grave, on verra la prochaine fois. Combien de minutes ça prendra. Bon, je vous dis à la prochaine les gens, abonnez-vous, mettez des commentaires, enfin, comme à la prochaine, comme tout le temps. Alors je vais sauvegarder quand même. Hop. Et je vous dis à la prochaine les gens.